L'histoire commune de l'humanité et du lait a commencé il y a plus de 8000 ans. En ces temps lointains, les premiers paysans ont découvert qu'ils pouvaient eux aussi boire le lait dont se nourrissaient les veaux. Un apport alimentaire précieux en période de disette. Au fil des siècles, le lait s'est imposé comme un élixir de vie dans les mythes et les écrits religieux. Enfant, quand je gardais les vaches en montagne, je ne me suis jamais demandé pourquoi elles donnaient du lait. C'était une évidence. Tout comme les arbres donnaient des pommes et l'eau vive coulait dans les torrents. Et tous les rituels qui entouraient la vie des vaches, comme la façon de les appeler, semblaient immuables. Mais au cours des dernières décennies, les relations entre les humains, les animaux et le lait ont connu de profonds bouleversements. Rien qu'en Europe, la filière représente aujourd'hui un marché de 100 milliards d'euros. Près de 200 millions de tonnes de lait, liquide ou en poudre, sont produites chaque année et vendues par les entreprises multinationales du secteur. Depuis que la Chine et ses 1,3 milliard d'habitants ont découvert le marché a littéralement explosé. Très demandée, cette matière première fait l'objet d'une concurrence féroce. L'évolution de la production a des répercussions considérables sur les animaux, l'environnement, la politique et sur nous, les humains. Pour en savoir plus, je vais rencontrer différents acteurs de la filière, agriculteurs, industriels et scientifiques. Peder Mauritsen n'est pas un agriculteur au sens traditionnel du terme. Lui et son fils travaillent plutôt comme des entrepreneurs. Ils gèrent 6 fermes, 750 vaches et 12 employés. Il faut tout optimiser. C'est très prenant. Je souffre d'apnée du sommeil, mais grâce au masque, je dors à point fermé. Comme ça, au moins, j'oublie tout. C'est angoissant de se réveiller la nuit en pensant au travail à faire le lendemain. Je suis très stressé, mais je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là. Mon job, c'est de tout vérifier en permanence et de veiller à ce que les employés fassent bien leur boulot. En somme, je suis un homme de l'ombre, tout le temps aux aguets. Pour arriver à vivre, on doit produire un lait de la meilleure qualité et au meilleur prix possible. On est soumis à la pression des prix. C'est pour ça qu'on doit batailler. Il faut produire toujours plus de volume d'une qualité supérieure pour amortir les coûts. C'est comme ça.
Nous sommes la 18e génération sur l'exploitation familiale. Quand j'ai repris la ferme, en 2002, il y avait 140 vaches. Depuis, on a doublé le cheptel. On est passé à 300. Dire qu'aujourd'hui on en a 750, je n'aurais jamais imaginé ça à l'époque. Ça s'est fait comme ça. Au départ, c'était l'envie qui nous motivait. Mais l'envie peut aussi être pilotée par des contraintes économiques. Pour l'instant, l'idée, c'est de traverser la crise jusqu'à ce que le marché se redresse un peu. On attend le moment où le prix du lait remontera. C'est là qu'on gagnera de l'argent. Peder Mauritsen livre sa production au groupe laitier Arla. Les laiteries, interface essentielle entre producteurs et consommateurs, sont sans aucun doute les acteurs les plus puissants de la filière. Il faut mettre des lunettes de protection ici. Le lait est pesé dès qu'il arrive de la ferme. Là, on a 1,1 million de litres et 4 sortes de lait différents. Ça commence par ici. On fait un test de pénicilline et on note dans quel camion le lait est arrivé. S'il a un goût satisfaisant, le lait est classé G1. S'il est classé G3, le lot est mis au rebut. Après, il est standardisé, homogénéisé et pasteurisé. Ensuite, il passe rapidement par ces tuyaux jusqu'à la ligne de remplissage. Au cours des 10 dernières années, Arla a connu une croissance rapide, en absorbant certains de ses concurrents. Aujourd'hui, il se classe parmi les 5 plus grands groupes laitiers au niveau mondial. J'ai commencé à travailler à 27 ans comme spécialiste en marketing au Danemark. C'était en 1987. À l'époque, il y avait 37 000 fermiers qui produisaient 5,5 milliards de litres de lait. Aujourd'hui, ce sont 3 500 fermiers qui produisent presque la même quantité. L'agriculture a donc connu une transformation structurelle considérable. C'était nécessaire pour faire face à la concurrence mondiale. Avec la mondialisation du marché, les prix sont très interdépendants aujourd'hui. Ce qui se passe à Berlin en matière de prix peut découler d'une évolution qui a lieu en Chine ou vice-versa. En tant que groupe alimentaire qui fabrique des produits de grande consommation, en l'occurrence des produits laitiers, il faut être suffisamment performant pour atteindre des marchés toujours plus éloignés. Il faut trouver de nouveaux clients et acquérir les capacités financières nécessaires pour investir dans des technologies innovantes. Seule notre croissance nous permet de saisir les opportunités commerciales au niveau mondial. Cela n'aurait pas été possible si notre société avait conservé la petite taille qu'elle avait il y a 10 ans. La famille Geiger vit dans une petite ville du sud de l'Allemagne. 4 générations habitent sous le même toit.
Comme la plupart des agriculteurs en Europe, les Geiger travaillent tous dans l'exploitation familiale. Malgré leur cheptel de 250 vaches, ils doivent serrer leur budget. Quand je suis arrivée à la ferme en 1978, il y avait 35 vaches. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui 35 vaches? Rien du tout. Le travail à la ferme, c'est de famille. Mon mari est un homme qui abat beaucoup de travail. Il a le sens des affaires. Il tient ça de ses ancêtres. Son grand-père a toujours eu la plus grande ferme et le plus grand troupeau de la région. C'est comme ça de père en fils. On est toujours arrivé à gérer, mais à un moment donné, on a dit qu'on ne produirait pas davantage. On en avait assez de se faire mener par le bout du nez. On est obligé de livrer tout notre lait à la même laiterie. C'est seulement après qu'on sait combien on va toucher. S'ils font baisser le prix du lait, c'est pour notre pomme. On n'a vraiment aucun pouvoir, aucune influence. Autrefois, on mettait les vaches au pré. Mais avec un grand troupeau, c'est compliqué. Certains pâturages sont assez loin de la ferme, alors ce n'est pas évident. Il faudrait amener les vaches au pré tous les matins et les ramener le soir. En plus, ça salit les chemins et il faut nettoyer. Alors on fait beaucoup moins de pâturage maintenant. Autrefois, on avait une centaine de vaches dehors. Évidemment, ce serait bien mieux pour les bêtes d'être au pré. C'est indiscutable. Ça, c'est Discovery, notre robot nettoyeur de bouse. Il pousse les bouses le long du caniveau et elles tombent en dessous dans le canal de récupération. C'est très bien pour l'entretien. Comme ça, les vaches sont toujours propres. Elles ne patauchent pas dans la gadoue. C'est important pour qu'elles n'attrapent pas de maladies aux pattes. Les Geiger n'ont pas d'employés à la ferme. Ils compensent le manque de main-d'œuvre en recourant aux techniques les plus modernes. Sans les trayeuses automatiques, ils ne pourraient pas maintenir l'activité de l'exploitation. Produire beaucoup avec peu de moyens, ça a toujours été mon objectif. Mais vu l'évolution de la politique agricole, c'est de plus en plus difficile et on ne s'en sort plus. C'est une illusion de pouvoir faire plus avec moins. Aujourd'hui, on doit toujours être plus performant. Il faut toujours en faire plus. On a plein de conseillers sur le dos qui nous poussent à utiliser toutes sortes d'aliments pour tirer le maximum de nos bêtes et avoir plus de croissance. L'exploitation familiale a atteint ses limites. Et nous, on ne gagne pas grand-chose. En fait, on ne travaille plus que pour le compte des multinationales et de l'industrie agroalimentaire. Et nous, on reste sur le carreau. À l'heure actuelle, pour le litre de lait, on touche un prix de base de 27 centimes. Pour rentrer dans nos frais, il faudrait qu'on touche au minimum 40 centimes, voire un peu plus. Ça me rend furieux. Il y a vraiment de quoi se demander si tout le système tourne rond. Traditionnellement, les laiteries étaient organisées en coopérative. Mais aujourd'hui, la dimension sociale qui existait à l'origine a quasiment disparu. Le groupe Friesland Campina est un autre acteur clé de la filière. Il a un siège aux Pays-Bas.
C'est un peu comme la théorie de Darwin. Celui qui n'évolue pas est voué à la mort. Il faut donc se réinventer en permanence. Nous avons besoin de croissance pour continuer à innover et à investir. C'est important aussi pour la santé de l'entreprise. Si nous stagnons, nous serons en mauvaise posture. On a coutume de dire qu'on fait tout, de l'herbe jusqu'au verre. On s'occupe des vaches, de la production, de la vente et des produits finis. Notre entreprise est assez comparable à une raffinerie. Nous fabriquons un très large éventail de produits laitiers. À partir du même lait qui entre à l'usine, une grande variété de produits ressort à l'autre bout de la chaîne, comme par magie. Un de nos produits qui marche le mieux, c'est le lait maternisé, commercialisé sous la marque Friso. On le vend partout dans le monde, mais surtout en Asie du Sud-Est et en Chine. Autre produit phare que nous avons récemment lancé à Hong Kong, le lait en poudre Optimel, destiné aux seniors. Il existe trois formules, pour les plus de 40 ans, pour les plus de 50 ans et pour les plus de 60 ans. En avançant en âge, on perd de la masse musculaire et on devient moins mobile. C'est pour cela que nous proposons ce produit spécifique pour les seniors, qui correspond à une tendance marquée au niveau mondial. Pour les personnes ayant des moyens plus modestes, il existe ce produit que nous vendons en Afrique de l'Ouest. Il est plus abordable et conditionné en portions individuelles. On peut l'acheter par paquet de 4 ou à l'unité. C'est bien aussi pour le commerce. Ça permet d'atteindre plus de clients. N'y a-t-il vraiment pas d'alternative au modèle économique de la croissance effrénée et de la mondialisation à tout va ? Tout au nord de l'Italie, dans la région du Tyrol du Sud, j'ai rendez-vous avec Alexander Agetle. Il gère une petite ferme qui produit du lait bio. C'est dans cette région que j'ai gardé les vaches dans mon enfance. Hop là ! Hop ! Hop là ! Récemment, une dame m'a dit « Tu sais, Alexander, les vaches vont à la même vitesse que le fermier. » Je lui ai répondu « Alors je dois être du genre paisible. » C'est vrai que notre façon d'être se répercute sur les bêtes. Les miennes, elles aiment bien marcher tranquillement. Il faut dire aussi qu'elles ont passé tout l'été à l'alpage, alors elles sont détendues. L'histoire commune de l'humanité et du lait a commencé il y a plus de 8000 ans. En ces temps lointains, les premiers paysans ont découvert qu'ils pouvaient eux aussi boire le lait dont se nourrissaient les veaux, un apport alimentaire précieux en période de disette. Au fil des siècles, le lait s'est imposé comme un élixir de vie dans les mythes et les écrits religieux. Enfant, quand je gardais les vaches en montagne, je ne me suis jamais demandé pourquoi elles donnaient du lait. C'était une évidence. Pour moi, le choix de l'agriculture écologique s'est imposé. D'autant plus qu'à mon sens, c'est la plus rentable.
Vu comme ça, c'est une décision d'ordre économique, c'est clair. J'ai réalisé assez vite que l'élevage intensif, ce n'était pas pour moi. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de transformer le lait nous-mêmes. Bonjour. Guten Morgen. On s'est dirigé très vite vers la filière qualité et la fabrication de fromage à base de lait cru. On a élaboré des recettes pour faire des produits très nobles. On a la chance qu'à nous tous, dans la famille, on réunisse toutes les compétences nécessaires, qui vont de la communication à la logistique, en passant par la technique de production. C'est vraiment un coup de chance. On fait de la vente directe. L'avantage, c'est que la plupart des clients ne viennent pas de très loin. Même si aujourd'hui, il existe plein de possibilités de distribution, je dois dire clairement que ça ne m'intéresse pas de vendre notre fromage au-delà d'un rayon de 200 km. Ça n'a aucun sens du point de vue écologique. Les vaches sont un maillon aussi essentiel que fragile de la production intensive de lait. Les agriculteurs doivent constamment optimiser leur cheptel. La Prime Holstein, une race à haut rendement, n'a plus grand-chose à voir avec les vaches que je gardais autrefois à la campagne. Ces vaches modernes sont élaborées uniquement dans le but de produire un maximum de lait. C'est rare qu'on n'ait pas d'insémination à faire. La plupart du temps, on a ça au programme tous les jours. La gestation, c'est fondamental pour l'élevage. Il ne faut pas que la vache reste vide trop longtemps. Sinon, elle n'engraisse pas, sa production de lait diminue et finit par s'arrêter. Il faut qu'elle donne un veau chaque année. Si elle n'est plus en gestation, elle sera sur la touche tôt ou tard. Et à un moment donné, il faudra qu'elle parte. Je n'avais jamais réalisé que nous buvions le lait issu de vaches constamment en gestation. Sans veau, pas de lait. Et sans lait, ces animaux n'ont pas de raison d'être. Une vache peut vivre en moyenne une bonne vingtaine d'années. Mais les races à haut rendement tiennent à peine 5 ans. De plus, seules les femelles ont le droit de vivre. Komm, lauf zu.
Le marchand de bétail va venir chercher les veaux et les triera par poids et par race. Ensuite, il les vendra à des exploitations d'engraissement. En principe, je ne vends que les mâles. Toutes les femelles restent à la ferme. J'en ai besoin pour reconstituer le troupeau. C'est malheureux à dire, mais un mâle, c'est plus contraignant. Ça donne beaucoup de travail. En ce moment, un veau comme ça, je le vends 70 euros. À une époque, il en valait autour de 50. Je ne fais aucun bénéfice sur ces ventes. Ce n'est pas rentable. Mais il faut bien le faire. On ne peut quand même pas les abattre comme ça. Nos bêtes sont des numéros, en quelque sorte. Il faut 2 ans à une femelle pour veiller. Mais on décide déjà 4 ans à l'avance quelles semences on va prendre et comment on va croiser les vaches. On a choisi il y a 4 ans à quoi allaient ressembler les bêtes qui naissent aujourd'hui. C'est amusant de suivre toute l'évolution, de voir si on obtient le résultat espéré et si tout est conforme à nos attentes. Pendant ces 4 années, on a pu collecter tout un tas de nouvelles informations. Alors on sait si les croisements seront valables ou pas. Parfois, ça donne vraiment n'importe quoi, c'est marrant à voir. Il y a 5 ans, on a eu l'idée de faire un élevage de vaches qui serait productive plus longtemps. Élever une vache, ça coûte cher. Elle occupe une place dans l'étable pendant 2 ans avant de donner du lait. Ça fait beaucoup de frais. Si on peut les traire pendant 5 ans au lieu de 3, on fait l'économie d'une nouvelle femelle. Bien sûr, on se retrouve avec des veaux en excédent, mais on peut toujours les vendre. Ils ne coûtent rien. Pour nous, ce sont des produits résiduels. Mais quand le prix du lait baisse au point de ne plus couvrir les frais pour garder les veaux en vie pendant 2 semaines, alors on est obligé de les abattre. On n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de faire dans le social. C'est une entreprise ici. Les éleveurs n'en sont pas encore au stade d'exclure totalement la naissance des animaux mâles. Mais cela viendra un jour. Je vais maintenant rencontrer l'élite des éleveurs de vaches à haut rendement au concours national de Crémone, dans le nord de l'Italie. Ces dernières années, la génétique nous a beaucoup aidés pour sélectionner des animaux très productifs et qui résistent mieux au stress. Elles sont de vrais athlètes. Ces vaches ne sont pas grasses. Au contraire, elles sont maigres et en bonne santé. Un animal gras ne produit pas grand-chose et il souffre. L'animal doit être en forme.
La vache doit être en forme. Il faut lui donner une alimentation de première qualité, que ce soit du foin ou du fourrage, pour qu'elle puisse être à nouveau pleine rapidement et qu'elle donne un veau chaque année, si possible. Vous pouvez acheter un embryon, un veau qui vient de naître, une vache en gestation ou bien une laitière. Et ça fonctionne comment avec les embryons ? En fait, il existe des catalogues avec les embryons qui sont proposés sur le marché. Ces vaches sont beaucoup plus sensibles. C'est comme si on roulait avec une Formule 1 sur une route de campagne. Il existe des critères qui permettent d'évaluer la production de lait. C'est l'animal qui te montre s'il donne beaucoup ou peu de lait. C'est lui qui te le dit. Ça se voit de l'extérieur ? Bien sûr. Les vaches à haut rendement sont des usines sur pattes. Leurs mamelles doivent filtrer chaque jour plus de 20 000 litres de sang. Une performance exténuante. Mais ce n'est là qu'un des nombreux problèmes qu'entraîne l'élevage intensif du bétail. Sur notre site de production, on a dans les 700 vaches. Ça fait beaucoup de déjections. La règle générale, c'est que pour un litre de lait, on a 3 litres de purin. Sachant qu'on produit entre 20 et 24 000 litres de lait, ça fait jusqu'à 70 000 litres de purin par jour. Là, c'est la cuve tampon qu'on utilise pour stocker le lisier. Le problème, c'est qu'elle est toujours pleine. Bon, on a assez regardé le fumier. Le professeur Johannes Iselstein s'intéresse de près au problème des effluents d'élevage, à ce qu'ingèrent les vaches et à ce qu'elles rejettent. Quel impact la production laitière moderne a-t-elle sur le cycle écologique ? Les bovins peuvent être nourris exclusivement avec de l'herbe. Les vaches sont des animaux fantastiques à cet égard. À partir de l'herbe, une matière première de faible valeur alimentaire, elles réussissent à fabriquer des protéines de lait qui sont très nutritives. Avec l'intensification de la production, on veut que les vaches soient encore plus performantes. À un moment donné, on ne peut plus augmenter leur rendement en leur donnant seulement de l'herbe. Dans les conditions de production actuelles, les bêtes sont nourries avec un tiers d'herbe seulement. Les deux autres tiers de ce qu'elles mangent proviennent de cultures agricoles. En règle générale, les fermiers doivent acheter ces aliments et il s'agit en majorité de soja. Et le soja qu'achètent les agriculteurs provient d'Amérique du Sud. Là-bas, de gigantesques étendues de forêts tropicales sont défrichées et exploitées pour les besoins de la production européenne d'aliments pour animaux. Cette déforestation sauvage est un véritable désastre écologique. On ne peut pas espérer lutter contre la faim dans le monde en donnant à manger le soja et le maïs aux animaux, au lieu de le destiner aux hommes.
Par ailleurs, il faut savoir que les vaches n'assimilent qu'un tiers de l'énergie contenue dans le soja et les céréales. En les nourrissant de cette manière pour augmenter leur performance, on participe à un gigantesque gaspillage à l'échelle mondiale. Céréales et soja sont mélangées au fourrage vert ensilé. Cette mixture sert de nourriture aux vaches confinées à l'étable. S'il y a une sécheresse en Ukraine, ou s'il pleut aux États-Unis, ça a une influence sur ce que je dois vendre et acheter. Ça demande réflexion. Si tel produit a atteint un prix plancher qui ne pourra que remonter par la suite, je l'achète bon marché, en espérant pouvoir le revendre plus cher. Ça occupe l'esprit, tout ça. Salut, Peder. Comment ça va? Et la récolte de maïs? On a récolté 38 hectares. Pour l'instant, rien de plus. Et les variétés plus précoces? Ce que tu nous as vendu, c'est de la camelote. Non, c'est du bon. Regarde si tu as ce qu'il te faut pour 2017. La question est de savoir s'il faut déjà fixer les prix maintenant. Oui. Pour ça, il faut d'abord évaluer la tendance du marché. Vous pouvez fournir du maïs non OGM? Oui. Ça coûte sûrement une petite fortune. 12 euros de plus que le prix normal. L'animal transforme les nutriments et au bout du compte, presque tout finit en purin. En achetant des protéines venues d'outre-mer, composées en grande partie d'azote, on déverse sur nos terres des quantités assez importantes d'azote. Comme celles-ci ne sont évidemment pas renvoyées dans leur pays d'origine, il faut les évacuer sur nos propres sols. Cet apport supplémentaire d'azote peut être considérable. En principe, nos sols doivent arriver à digérer l'azote. Mais quand les volumes sont très importants, cela entraîne des risques d'émissions. Le nitrate peut s'infiltrer dans le sol. De l'ammoniac sous forme gazeuse peut s'échapper directement lors de l'épandage d'engrais organiques. Le nitrate contenu dans le sol risque aussi de libérer du protoxyde d'azote dans l'atmosphère, ce qui est extrêmement néfaste pour le climat. Certains pays, comme les Pays-Bas, contournent le problème en vendant du lisier à l'étranger, pour ne pas surcharger leur propre système. Les nitrates contenus dans les nappes phréatiques sont dangereux parce qu'une fois absorbés par le corps humain, ils sont transformés en nitrites au cours de la digestion. Les nitrites inhibent le transport de l'oxygène et seraient des éléments déclencheurs de cancer. En Allemagne, dans un puits sur trois, on a relevé des teneurs en nitrates trop élevées. Aux Pays-Bas, les sols ont atteint un tel niveau de pollution que le gouvernement a menacé de mettre un coup d'arrêt à l'ensemble de la production laitière. En plus de mettre les agriculteurs sous pression, le système s'avère catastrophique pour l'environnement et pousse l'élevage des bovins à l'absurde. Pourtant, on continue à produire chaque année davantage de lait. À la ferme d'Alexander à Gethle, le passage de la production laitière conventionnelle à la production bio n'a pas toujours été sans mal. Je lui ai transmis la ferme avec l'intention de le laisser gérer les choses comme il voulait, de faire à son idée. C'est pour ça que je me suis mis un peu en retrait.
Ça ne m'a pas empêché de m'énerver souvent en silence. J'ai plutôt bien réussi comme éleveur. J'ai eu de bons rendements. Même si j'ai eu aussi des difficultés, il ne faut pas le cacher. Mais j'ai affronté ces problèmes et j'ai réussi à maintenir la production. Vis-à-vis de mes collègues agriculteurs, ça m'a permis d'être respecté et accepté. Notre petite fromagerie est connue maintenant, et on pourrait vendre beaucoup plus. Il y a des techniques simples qui nous permettraient de produire davantage, parce qu'on sait qu'on pourrait écouler plus de marchandises et faire plus de bénéfices. Ça fait réfléchir, bien sûr. Nous défendons deux conceptions différentes de la rentabilité. La première, beaucoup de lait, un gros chiffre d'affaires, des coûts élevés. La deuxième, qui est la mienne, moins de lait, un chiffre d'affaires plus modeste, des coûts moins élevés. Des études ont montré que le modèle intensif et le modèle extensif sont ceux qui ont le plus de réussite au niveau économique. Vu comme ça, on a raison tous les deux. Mais moi, je suis plus sensible aux répercussions sur l'environnement. On ne tient jamais compte des coûts environnementaux. Là-dessus, j'ai un peu plus raison. L'histoire commune de l'humanité et du lait a commencé il y a plus de 8000 ans. En ces temps lointains, les premiers paysans ont découvert qu'ils pouvaient eux aussi boire le lait dont se nourrissaient les veaux, un apport alimentaire précieux en période de disette. Au fil des siècles, le lait s'est imposé comme un élixir de vie dans les mythes et les écrits religieux. Enfant, quand je gardais les vaches en montagne, je ne me suis jamais demandé pourquoi elles donnaient du lait. C'était une évidence. Et ces microbes, je les nourris avec un engrais comme celui-ci. C'est un changement radical de paradigme. Il faut descendre du tracteur, prendre la terre à pleine main et la comprendre. À mon avis, c'est ça le secret d'une agriculture écologique réussie. Les professionnels du secteur se donnent rendez-vous chaque année pour le sommet mondial sur les produits laitiers, à Rotterdam. Leur objectif ? Convaincre les consommateurs, avec des stratégies toujours renouvelées, que les produits laitiers sont bénéfiques pour la santé. Le plus grand défi pour l'avenir, c'est de produire suffisamment de lait et de produits laitiers pour nourrir la population mondiale. D'après les recommandations nutritionnelles, dans la plupart des pays européens, comme par exemple aux Pays-Bas, on préconise 3 portions de produits laitiers par jour. Dans d'autres régions du monde, on en préconise 2. Mettons alors 2. Compte tenu du nombre d'êtres humains qui peupleront la Terre en 2050, pour que chacun ait accès à 2 portions, il faudrait doubler notre production actuelle. Ici, nous ne vendons rien. Nous informons le public sur le concept des 1000 premiers jours de la vie. C'est un concept scientifique auquel souscrit notre entreprise. Nous avons des partenaires issus du secteur médical, des ONG et des autorités gouvernementales. Nous sensibilisons les gens à l'importance de la nutrition. Ainsi, le consommateur est réceptif au message que véhiculent nos produits. Notre entreprise peut lui proposer une variété de produits ciblés car elle dispose d'une gamme élargie. Comme le consommateur est informé, il peut choisir ce qu'il cherche en toute connaissance de cause. Par exemple, un produit qui facilite la digestion du bébé, un lait maternisé ou un lait de croissance. Le produit Yakult contient plein de ferments lactiques,
qui arrivent vivants dans les intestins. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je le bois? En fait, il existe une loi européenne qui m'interdit de vous en parler. C'est presque un impératif moral de nourrir la population mondiale. Et nous devons continuer à pouvoir le faire à mesure qu'elle s'accroît. Certains disent même que se nourrir est un droit humain. Nous dépendons du lait de vache comme matière première, mais nous le modifions. Nous devons enlever certains éléments et en ajouter d'autres pour imiter du mieux possible le lait maternel. À sa naissance, le veau se nourrit du lait de sa mère qui est adapté à sa croissance. Il favorise notamment la pousse des cornes et des sabots. Pour nous, les humains, disons que ce n'est pas nécessaire. On pourrait peut-être traire les femelles chimpanzés, mais d'un point de vue pratique, ce ne serait pas une très bonne idée. Nous ne sommes pas autorisés à parler aux consommateurs des effets de notre produit sur la santé, malheureusement. Donc on ne sait rien. Les produits laitiers sont bénéfiques pour la santé. Tel est l'argument de vente récurrent de la filière. 30 g Milchfett, 35 g Eiweiß, 47 g Milchzucker, 7 g Mineralsalze und alle lebensnotwendigen Vitamine sind in einem Liter Milch enthalten. Vom ersten Tag unseres Lebens an fördert Milch unsere Gesundheit. En Europe, nous consommons davantage de lait depuis les années 50 et 60. Depuis notre enfance, on nous serine que c'est un élixir de vie. Mais le lait est-il aussi bon pour la santé qu'on ne cesse de nous le répéter? Dans la culture de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord, le lait a toujours occupé une place essentielle. C'est en partie grâce à lui que les hommes ont pu vivre dans un climat froid, où ils ne trouvaient pas de fruits et légumes toute l'année, comme dans un climat plus tempéré ou tropical. Cela a permis à nos ancêtres de vivre jusqu'à 40 ou 50 ans et de se reproduire. Mais à l'heure actuelle, nous souhaitons vivre encore quelques décennies de plus, et si possible en bonne santé. Il se trouve que la façon dont on se nourrit dans les pays nordiques n'est pas idéale pour la santé. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Yeah. Hi, kids. Oh, that's not good. La prévention des fractures osseuses a toujours été l'argument principal pour justifier une forte consommation de lait. Or, c'est justement dans les pays où l'on consomme le plus de lait qu'il y a le plus de fractures. On le sait depuis longtemps, mais on commence à comprendre peu à peu pourquoi il y en a tant dans ces pays. Nous avons mené plusieurs études à long terme auxquelles ont participé 300 000 hommes, femmes et adolescents. Cela fait maintenant près de 40 ans que nous les suivons et que nous notons la nourriture qu'ils consomment, la quantité de lait qu'ils boivent, leur activité physique, leur consommation éventuelle de tabac, bref, tout ce qui est susceptible d'influencer leur santé. Le lait est bénéfique pour la croissance. C'est sa fonction naturelle que de favoriser la croissance et la multiplication des cellules chez les mammifères, ce dont ils ont besoin quand ils sont jeunes. Mais chez un adulte, la multiplication exponentielle des cellules n'est pas souhaitable. C'est un des facteurs qui favorise l'apparition du cancer. Cela soulève des inquiétudes. On pense qu'une consommation élevée de lait augmenterait le risque de cancer, en premier lieu celui de la prostate. Mais cela pourrait aussi accroître le risque pour d'autres formes de cancer.
Cela ne veut pas dire que les gens devraient arrêter de boire du lait et de consommer des produits laitiers. En revanche, il serait souhaitable d'avoir des recommandations sur les quantités à consommer. Cela peut aller de 0 à 2 portions par jour. Ce n'est pas forcément essentiel, mais ceux qui souhaitent en consommer 2 portions peuvent le faire, surtout si c'est en partie sous forme de yaourt. Les études menées par Walter Willett sont parmi les plus souvent citées par la communauté scientifique. Même si cette question fait l'objet d'un vif débat chez les spécialistes, tous s'accordent à dire que le lait n'est pas aussi bénéfique pour la santé que l'industrie a coutume de l'affirmer. D'une manière générale, les industriels sont très attentifs à la publication de tels articles scientifiques. Il faut prendre ça très au sérieux. Depuis quelque temps, le mot d'ordre général est que les produits laitiers constituent une matière première très bonne pour la santé. On peut faire des choses magnifiques avec le lait. Je pense que c'est la tendance dominante. D'un autre côté, il faut que l'industrie comprenne qu'elle doit présenter des produits qui sont effectivement sains et naturels. Nous travaillons à diminuer le taux de matière grasse tout en conservant la qualité et l'attractivité gustative. C'est un équilibre difficile à atteindre. Si nous arrivons à le faire de manière intelligente, le lait est promis à un bel avenir. Où sont définies les grandes orientations de la production laitière? Au cours de mon enquête, il ressort que Bruxelles joue un rôle central en matière de politique laitière européenne. La coquette somme de 45 milliards d'euros est consacrée chaque année à l'agriculture. C'est le poste budgétaire le plus important de l'Union européenne. Martin Hausling, député européen, est aussi producteur de lait bio. Pour ce qui est du processus de décision au Parlement européen, il ne faut pas s'imaginer que ce sont les agriculteurs ou les petits exploitants du Bade-Wurtemberg ou de Slovénie qui ont l'initiative. Il est question ici des intérêts de la filière. Le lait est une matière première incroyablement bon marché, qu'on utilise dans plein de choses. On le fractionne en plusieurs éléments qu'on incorpore un peu partout, aussi bien dans les produits de confiserie que dans les compléments alimentaires. Les industriels veulent une matière première pas chère et veulent faire en sorte que nous soyons toujours à la limite du surplus. L'industrie agroalimentaire n'a aucun intérêt à ce que nous ayons une production modeste ou juste suffisante pour approvisionner le marché européen. Elle incite toujours à aller au-delà. On pousse les producteurs à avoir des excédents massifs pour pouvoir ensuite leur mettre la pression. Si tel producteur ne fournit pas la quantité exigée, les industriels menacent d'acheter moins cher ailleurs dans l'Union. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les intérêts des 13 millions d'agriculteurs bénéficiant des aides de l'Union européenne, mais bien les intérêts des plus grands acteurs du secteur, notamment les laiteries. Elles sont les premières à profiter du fait que nous exportons des volumes considérables de lait bon marché partout dans le monde. Le Comité des organisations professionnelles agricoles, ou COPA, fait partie des lobbies les plus puissants à Bruxelles. Depuis des décennies, il parvient à imposer avec succès ses intérêts. L'agriculture, c'est la meilleure activité économique qui soit. Ce n'est plus un mode de vie, si tant est qu'elle n'en ait jamais été un. Mais c'est en tout cas une manière de gagner sa vie. Pour les jeunes fermiers et leurs familles qui arrivent sur le marché, il faut que ce moyen de subsistance soit axé sur la compétitivité. Sans ça, il n'y a pas d'avenir pour l'agriculture. Quelle est la nature profonde des liens qui existent entre le COPA et l'industrie laitière? Nina Hollande, qui travaille pour l'ONG Observatoire de l'Europe industrielle, nous en dit plus.
On compte entre 20 000 et 30 000 lobbyistes à Bruxelles. La plupart d'entre eux travaillent pour l'industrie. Et le lobby de l'industrie agroalimentaire est particulièrement puissant. Là, c'est le siège de Food Drink Europe, un grand groupe de lobbying qui représente toutes les multinationales de l'industrie agroalimentaire, notamment Nestlé et Danone. Elles œuvrent de toute évidence en faveur de la dérégulation des marchés. Avec le COPACOGECA, le lobby des agriculteurs, elles ont organisé un événement pour expliquer les bénéfices que l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs européens pourraient tirer du TAFTA, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Ça paraît un peu étrange que les agriculteurs s'associent à une action menée par les industriels. Mais ça cadre avec la logique et la philosophie du COPACOGECA. Ce lobby défend les 10% d'agriculteurs qui travaillent de manière toujours plus moderne, plus industrialisée et qui sont compétitifs sur le marché mondial. Mais ils ne représentent pas les intérêts de l'ensemble des agriculteurs. Le total des ventes du secteur alimentaire, y compris le commerce de détail, se situe entre 1,4 et 1,5 milliards de milliards d'euros. C'est un chiffre colossal. À l'heure actuelle, l'industrie alimentaire est numéro un, devant les industries automobiles et chimiques. Nous produisons toujours plus par hectare et par tête de bétail. C'est ce qui fait la force de l'agriculture européenne. Il est très important que nous maintenions cette orientation productiviste. Mais pourquoi poursuivre sur cette voie, si le marché européen est saturé depuis longtemps? Il faut se replacer dans le contexte des années 2000. À l'époque, les marchés agricoles ont été libéralisés, tout comme les marchés financiers, en application du principe suivant. Tout ce que l'État ne régule pas, l'économie privée le fera, et la situation s'arrangera. Dans ce cadre, on a aussi décidé d'ouvrir au marché mondial la politique agricole commune, jusque-là très réglementée. Et on a donné un peu d'argent aux agriculteurs par le biais des aides directes en leur disant « Pour le reste, produisez ce que vous voulez, le marché l'absorbera. » Les grands marchés, ce sont les marchés émergents de Chine, d'Afrique, du Moyen-Orient ou même d'Amérique du Sud. À l'avenir, nous devrons aussi les approvisionner dans l'idée de nourrir la population mondiale. Il ne s'agit donc plus d'assurer l'approvisionnement alimentaire de l'Europe, conformément au but et à la fonction première de la politique agricole commune. À l'heure actuelle, les agriculteurs doivent produire pour l'exportation mondiale et accessoirement pour permettre aux géants de l'agroalimentaire de poursuivre leur croissance. Il apparaît clairement que la consommation de produits laitiers par habitant s'accroît à l'extérieur de l'Europe. Les consommateurs européens sont progressistes et exigeants. Ils veulent beaucoup de nouveautés, mais leur volume de consommation en tant que tel n'augmente pas. Les pays situés hors de l'Union sont primordiaux pour l'industrie laitière européenne. C'est devenu un vrai casse-tête que nous devons résoudre d'une manière ou d'une autre. Pour ça, nous essayons d'appliquer différentes stratégies au sein de nos entreprises. Mais comment amener une population à aimer un produit qu'elle ne connaît même pas? Ce tour de force commercial a été réalisé notamment en Chine. Nous leur disons que s'ils boivent du lait, ils auront des protéines et des nutriments qui les rendront grands et forts. Les Asiatiques ont cette attente. Ils veulent être robustes, résistants, avoir une famille forte, et ils aspirent à être grands. Ils pensent qu'en étant plus grands, on réussit mieux dans la vie et on est en meilleure santé. Les enfants qui reçoivent une alimentation lactée dès le plus jeune âge continuent à consommer des produits laitiers en grandissant. Et si les enfants le font, le reste de la famille s'y met aussi. C'est comme ça que le lait occupe une place croissante dans leur alimentation. Mon enquête se poursuit en Chine. Dans les supermarchés,
je découvre du lait UHT conditionné dans des emballages sophistiqués, ainsi que des rayons entiers d'aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants, comme il n'en existe pas en Europe. Est-il vrai qu'en Chine, les gens boivent du lait parce qu'ils veulent être plus grands ? Oui, c'est ce qu'ils souhaitent en tout cas pour leurs enfants. D'après ce que je sais, le lait est bon pour les os. Et si on en boit dès l'enfance, on peut espérer devenir plus grand. Avec la hausse du niveau de vie en Chine, le lait est devenu du jour au lendemain un produit de consommation occidentale à la mode. La Chine boit du lait. Ce slogan a donné le coup d'envoi à la libéralisation du marché européen du lait et à la conquête du marché chinois. Entre-temps, la Chine a créé ses propres structures de production qui ont poussé comme des champignons. L'investissement total s'élève à 1,3 milliard d'euros. La capacité de production est de 2000 tonnes de lait frais par jour. C'est sans doute la plus grande fabrique laitière au monde. Voici le groupe Arla, notre troisième plus grand actionnaire. Nous travaillons avec Arla Foods, principalement dans le domaine de la gestion agricole. Et voici Danone, notre deuxième plus grand actionnaire. Nous avons établi une coopération avec lui pour produire des yaourts. Nous passons à présent dans notre magnifique rue de style européen, destiné à favoriser la détente des visiteurs. Ils peuvent en profiter pour prendre des photos et découvrir l'histoire et l'origine du lait. En Europe, les éleveurs auraient bien besoin du soutien de leur laiterie. Mais celles-ci investissent précisément en Chine, accroissant ainsi la pression sur les agriculteurs européens. Autour de la fabrique, il y a de nombreuses grandes exploitations. L'une d'elles abrite plus de 10 000 vaches. En Chine, il n'existait pas de modèle dont on aurait pu s'inspirer pour construire ce genre de ferme et de pâturage. Il a fallu étudier au préalable ce qu'ont fait les autres pays pour s'inspirer de la manière dont ils ont géré un tel projet. Une des difficultés que nous avons rencontrées a été de trouver le moyen de regrouper toutes les vaches ici. Je suis très honoré d'avoir pu participer à la construction d'une des plus grandes fermes d'élevage de Chine. On nous l'avait dit, mais je n'avais pas voulu le croire. Les Chinois vont nous mettre à genoux. On n'arrivera plus à produire. Dans les journaux, on lisait toujours « Préparez-vous pour l'avenir ». Et le chef de notre fédération agricole répétait « Les agriculteurs allemands sont compétitifs. Nous ne craignons pas la concurrence. » Résultat, les Chinois vont nous écraser. Les représentants des paysans l'ont tous dit. Les laiteries nous avaient assuré qu'on pourrait tout commercialiser à un bon prix, mais c'était faux.
Depuis 2008, les producteurs de lait manifestent régulièrement à Bruxelles contre le dumping des prix, dans l'espoir de pouvoir influencer les processus de décision. Lors de ces mobilisations, les syndicats agricoles officiels brillent par leur absence. On est allé à des manifs et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai parlé avec des agricultrices qui ont toutes les mêmes problèmes que nous. Elles pensaient la même chose que nous. C'est là que j'ai réalisé qu'on se fait complètement arnaquer. On a fait grève et on a essayé de redresser la barre pour que ça reparte dans le bon sens. Le syndicat agricole s'est opposé massivement à notre action, par tous les moyens. On produit trop de lait depuis des décennies. On aurait pu contrôler ça si on avait voulu. Mais ça ne s'est pas fait. Il fallait toujours produire plus et meilleur marché. Ce sont nos excédents de lait qui nous fichent en l'air. Après la manif, on a compris que tout ça, c'était voulu. Que ce n'est pas un hasard. Le fait que le prix du lait n'augmente pas et qu'il soit bon marché pour les laiteries et pour le commerce, c'est fait exprès. Pour stocker le lait plus longtemps et faciliter son transport à l'international, les industriels le transforment en poudre. Cela nécessite un processus de séchage très gourmand en énergie. Comme c'était très attractif l'an dernier, les fermiers ont produit beaucoup plus de lait, à tel point qu'ils ont saturé le marché. Du coup, l'ensemble du secteur, grands groupes, marques commerciales, marques propres ou petites entreprises, a dû trouver des débouchés. Cela a favorisé la concurrence et la guerre des prix. Alors où l'écouler toute cette marchandise? Il faut de nouveaux marchés. L'Union européenne a conclu des accords de libre-échange sur mesure avec certaines régions d'Afrique. Celles-ci garantissent en retour d'appliquer à long terme de faibles taxes à l'importation sur les produits laitiers européens. Le lait en poudre qui nous vient d'Europe, essentiellement, débarque ici sur le port de Dakar pour entrer à l'intérieur du pays, partout dans le Sénégal. Bocar Diaf gère une petite laiterie. Il est aussi président de l'Union sénégalaise des coopératives laitières. Le commerce du lait en poudre, ça marche très bien. Nos trois fournisseurs reçoivent leur chèque quelques temps après la livraison. Les affaires sont prospères. On achète et on vend sans arrêt. On stocke parfois jusqu'à 1000 sacs. Voilà, ça c'est new. Hein, c'est des produits industriels. C'est du lait caillé qui est fait à base de lait en poudre. Nous avons aussi du yaourt Djabot, Mamel Djabot, qui est aussi une industrie laitière, hein, qui est spécialisée dans la production de yaourt à base de lait en poudre aussi. Donc tous des produits importés. Là, c'est des sachets qui coûtent 75 francs, 100 francs. Donc c'est accessible à tout le monde. L'utilisation est très facile parce que c'est du lait en poudre. Qu'est-ce que vous voyez? Et ça vient essentiellement de l'Union européenne aussi. Hein? Donc tout ça, c'est des produits qui sont issus de l'Union européenne. Donc la politique de l'Union européenne visant aujourd'hui à, soutenir l'agriculture permet d'appliquer un dumping dans notre économie. La laiterie de Bocar Diaf se trouve dans la banlieue de Dakar.
Il travaille uniquement avec des vaches laitières du pays. Donc le principe est simple, vraiment. On réceptionne le lait de vache. Nous, on est spécialisé vraiment dans le lait de vache. On travaille avec des fermes qui collectent et qui nous amènent le lait. Nous, on fait la transformation en yaourt, en lait caillé, et puis on vend dans nos boutiques. Le lait qu'on produit ici au Sénégal, issu de nos vaches, est beaucoup plus cher au niveau du producteur parce que les coûts de production sont élevés. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de transformer le lait en poudre. On gagne plus d'argent avec le lait en poudre. Mais nous, nous avons opté de travailler avec le lait de vache parce que c'est beaucoup plus durable. Ici, l'agriculture n'est pas soutenue. Au niveau de l'élevage, il n'y a pas de subvention. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a des coûts de production élevés. Ni la production, ni la transformation, ni la commercialisation n'est subventionnée. Donc, on est laissé à nous-mêmes. Dans la situation actuelle, l'industrie laitière européenne est tributaire des aides directes de l'Union. C'est-à-dire qu'aucun producteur de lait en Europe ne peut survivre si en fin d'année, il ne perçoit pas les aides européennes, qui constituent en fait pratiquement ses seuls revenus. Les subventions européennes, c'est primordial. On dépend d'elles. Sans elles, on ne pourrait pas survivre. Quand on regarde le bilan annuel, elles correspondent exactement à ce qui nous reste. On ne gagne rien de plus. Sans les subventions, produire du lait, ça ne rapporte rien. Demande un peu à la banque ce qu'elle dirait si on ne touchait pas les aides. On peut aussi formuler la question autrement. Combien faudrait-il pour s'en sortir sans les aides? Réponse, 7 centimes de plus par litre. Dans ce cas, les subventions seraient superflues. Le consommateur devrait payer 7 centimes de plus. Ce n'est pas grand-chose pour un particulier, mais sur l'ensemble, ça fait des milliards. Le consommateur s'y retrouverait parce qu'il paierait moins d'impôts. De toute façon, il doit mettre la main au portefeuille. L'argent ne fait que tourner en circuit fermé entre les bureaucrates. Si l'Union européenne décidait demain de retirer du système les 45 milliards d'euros d'aides directes, la stratégie d'exportation du secteur agro-industriel ne pourrait pas continuer. En fait, le contribuable fournit le carburant pour alimenter l'exportation et soutenir les produits bon marché. On continue à raconter aux gens qu'ils auront des produits pas chers. En réalité, ils ne sont pas destinés au marché européen, mais sont en train de ruiner les petits paysans d'Afrique. Aujourd'hui, les éleveurs, vraiment, peinent à s'en sortir avec leur activité. Parce qu'ils n'ont pas de marché où vendre leur lait. C'est une zone rurale. Tout le monde a du bétail. Donc, le marché du lait, ce n'est pas ici. Bocar Diaf estime que l'industrie laitière doit s'accompagner d'une dimension sociale et ne peut être soumise aux règles du libre marché. Il juge nécessaire l'intervention des instances politiques. Assalamu alaikum. Ça va bien? Ça va bien. Ça va. Alors, et les activités, comment ça se passe? Oui, oui, ça va, ça va. La collecte? Bon, vraiment, ça va, la collecte. Vous êtes à combien de litres ces temps-ci? Bon, nous sommes à 140-150. 140-150. Vous achetez à quel prix? Poisson. Avoir des matériels plus sophistiqués, au moins. Ils ne sont pas des matériels locaux, c'est pour pouvoir faire... Semi-industriel. Voilà, semi-industriel au moins. Oui, 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 il y a la concurrence surtout. Parce que vous voyez le lait en poudre, surtout,
C'est le lait qui envahit. Ce que je proposerais plutôt, c'est qu'on taxe davantage les produits importés pour financer la production locale. C'est ça, vraiment. Si vous réussissez vos activités, ça voudra dire quoi? Vous aurez lutté contre la malnutrition parce que les enfants vont avoir du lait de qualité. Vous allez lutter contre la pauvreté parce que les éleveurs vont avoir un emploi fixe, vont avoir des revenus. Mais vous allez lutter contre un fléau très important aujourd'hui, c'est l'exode rural. Ouais, surtout. Ouais. Vous employez déjà des... Vous avez combien de personnes ici? 7. 7 personnes déjà. Et rien qu'avec 150 litres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vous appuie à faire 1000 litres, vous allez employer 50 personnes. C'est sûr. Mais d'autre part, je parlais d'exode rural. Mais pire, actuellement, les fils de l'éleveurs prennent les bateaux de fortune. Ah, ouais. Ils sont en train de mourir en Libye, ils sont en train de mourir en haute mer. C'est sûr. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on sache que ces enfants-là, qui meurent là-bas, c'est les fils des éleveurs. Il est dans l'intérêt du Sénégal que les éleveurs puissent vivre de leur production laitière. Si nous n'y parvenons pas, personne ne nous prendra au sérieux. Tu sais pourquoi la situation est si catastrophique? S'il y avait des laiteries qui achetaient notre lait sur place, on leur vendrait volontiers. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de structure adaptée. Les éleveurs doivent souvent parcourir de nombreux kilomètres. Et ça, juste pour vendre 2 ou 3 litres de lait. Ils le vendent à bas prix et gagnent très mal leur vie. C'est vraiment un problème. On a l'intention de construire une grande laiterie qui vous achètera toute votre production. Vous pourrez tous la porter ici. Dès que le projet va démarrer, tous les éleveurs seront invités à y participer. Si vous créez une laiterie comme ça, on vous suit. Si les vaches sont bien traitées et donnent du lait, on vous soutient. En 2008, la Banque mondiale et l'ONU ont regroupé la somme des connaissances relatives à l'agriculture à l'échelle mondiale. Les scientifiques en ont conclu que pour lutter contre la faim, l'arme essentielle n'est pas l'augmentation de la productivité, mais la disponibilité sur place des aliments et des moyens de production. Ce sont les petites structures agricoles qui sont les plus à même de garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial. Une grande partie des acteurs du secteur agricole rejette ces conclusions. En fin de compte, on a guidé l'agriculture dans une impasse, c'est évident. Cela s'explique notamment par le fait qu'on l'a laissée uniquement aux mains des économistes. N'oublions pas que l'agriculture, c'est notre espace de travail et de vie. Je trouve qu'il faudrait la confier davantage aux écologistes, aux philosophes, et pas seulement aux gestionnaires. Il faudrait créer des sites de production beaucoup plus petits et beaucoup plus variés.
des sites où la technologie est bien moins dominante. Cette idée peut paraître archaïque, mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où les agriculteurs disparaissent à force de rationaliser leur secteur. Par ailleurs, je pense que l'agriculture est aussi faite d'émotions. Pour ma part, je pratique une agriculture vivante. J'accorde une immense importance aux animaux. Et cette forme d'agriculture n'est possible que parce que mon exploitation est une petite exploitation. J'espère que grâce à mon modèle d'agriculture, j'arriverai à faire un fromage qu'on identifiera tout de suite. Je voudrais qu'en le goûtant, on puisse reconnaître sa région de production, que son odeur et son goût révèlent son terroir. Voilà comment je vois les choses. Ça n'a aucun sens d'importer du fourrage des quatre coins du monde pour produire des tonnes de lait. Au contraire, il est essentiel que les vaches se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans les pâturages locaux. Le modèle de production bio que défend Alexander Agathle ne peut-il exister qu'à petite échelle? Au Danemark, Kjartan Paulsen gère une grande ferme laitière en bio, en association avec deux autres agriculteurs. À première vue, elle ressemble à une exploitation conventionnelle, mais en réalité, elle s'en différencie beaucoup. On est presque entièrement autonome en ce qui concerne l'alimentation des vaches. La quasi-totalité du bétail passe l'été dehors. Ça fait 1600 vaches qui pâturent ici en été. On n'aime pas être stressé. Alors on ne stresse pas non plus les animaux. On les nourrit avec ce qu'on produit nous-mêmes chaque année et on traite le lait qu'elles donnent. Comme ça, tout le monde est plus heureux, je pense. Quand elles sont à l'extérieur et se nourrissent seulement d'herbe, les vaches ne sont pas néfastes pour le climat. Il semble évident que le lait bio a un impact plus modéré sur l'environnement que le lait conventionnel, même s'il est produit à une échelle quasi industrielle, comme chez Kjartan Paulsen. On peut se demander pourquoi il n'y a pas plus d'agriculteurs qui passent au bio. D'autant qu'ils vendent toujours à des bons prix. C'est trop coûteux et ça demande trop d'investissement. Tels sont les arguments des intéressés. La plupart s'en tiennent donc au modèle conventionnel, en espérant que le prix du lait finira par monter. À l'heure actuelle, on est endetté à 100%. On aimerait bien que ça s'améliore. On envoie notre plan compte-rendu de gestion tous les mois à la banque. Il faut noter le nombre de vaches mortes, la production de lait par tête et ainsi de suite. On doit détailler tout ça dans un rapport. Mais on n'est quand même pas pieds et poings liés. J'ai une certaine marge de manœuvre pour acheter quand ça me va. Cela dit, ils nous ont à l'œil. Il faut être plus habile et plus malin que nos voisins. C'est la guerre entre nous. Il faudra te mettre ça dans la tête quand tu reprendras la ferme. Il n'y a pas de pitié. Personne ne nous épargne. Parfois, il faut être un salaud.
Ces dernières années, on a assisté à la cannibalisation du secteur. Les fermiers se dévorent les uns les autres. Ils sont devenus impitoyables. On le voit quand les terres sont à fermer immédiatement après un décès. Dès l'enterrement, les veuves se voient demander si elles souhaitent affermer les terres de leur mari défunt. Ce ne sont pas des cas isolés, on entend ça partout dans les villages. Des histoires de gens sans scrupules. Ce n'est pas forcément qu'ils en veulent encore plus, c'est seulement qu'ils sont sous pression. Ils ont tous le dos au mur. C'est une fuite en avant. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. On était en train de débattre de la politique laitière quand José Bové a dit « Je vous invite tous à vous lever pour rendre hommage aux 600 agriculteurs français qui se sont donné la mort l'année dernière. » Un murmure a d'abord parcouru les rangs, et puis tout le monde s'est levé, y compris le commissaire. Ce chiffre est exact. Je confirme qu'aujourd'hui, le taux de suicide des agriculteurs est extrêmement élevé. Même si à l'heure actuelle, je sais que c'est difficile à croire pour les agriculteurs, je suis tout à fait convaincu que les produits laitiers ont un bel avenir devant eux. Le lait est très sain et nutritif. C'est un aliment idéal pour beaucoup de gens à travers le monde. Bon nombre de personnes commencent seulement à consommer du lait et des produits laitiers, comme nous le faisons depuis longtemps en Europe. Du côté de la demande, il y a de grandes opportunités commerciales. C'est à nous, les entreprises, de savoir les saisir. Il s'agit d'un processus continu qui ne s'arrêtera jamais. Le lisier circule dans l'installation. Il est d'abord transformé en gaz, puis en électricité. Aujourd'hui, on gagne beaucoup plus d'argent avec le lisier qu'avec le lait. Avec de la merde. Oui, pour ainsi dire. Tu parles d'une blague. Je viens de recevoir un SMS. Le prix du lait va augmenter de 2 centimes à partir du 1er octobre. Nous sommes sauvés. Voilà qui devrait nous permettre de sortir du rouge. C'est une très bonne nouvelle. J'en ai presque des larmes aux yeux.